tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à un nouvel épisode des 100, l'épisode numéro 6. Et il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, du coup j'ai trop hâte de voir celui-ci. Alors c'est parti. Oh, j'adore comment Maddy regarde Octavia, c'est trop mignon. Maddy's a big fan. He survived 6 years of radiation. What's your secret? Synthetic night blood. Like me. Elle vient de mentir là. Kung Fu Lao. What's on Yan Yan? Octavia is such a badass. J'adore. I wish we didn't have to lie to her. Aww. Yes, and now we know the one who signs of rebellion. It will happen again. Oui. What is she doing here? I just wanted to thank you. There is no place in it for you. You two have history. But Echo is on our side. I banished this murderer from the bunker 6 years ago. Just stood here like she fights in the arena. C'est la grosse merde pour elle, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Ça va exploser. Ou pas? Hey! Quel traître, hein! Maddy's not Wilker, she's Shallow Valley. Is it true that Ragnar owns the entire valley? Clark used your bone marrow to make me a night blood. I wore my life. You should find someone who's not afraid of you. No! Avec elle allait dire ça. C'est Gaïa. Bien sûr que si. Oh, elle se réveille. Elle sait toujours ce qu'elle fait.
Non, je sais, ils vont faire exploser le vaisseau. Elle a disparu. Je le savais. Bien sûr. M'a dit, non, elle va pas lui dire. Non. Comment elle va faire maintenant du coup? Ah, merci mon Dieu. Elle l'avait mis dedans. C'est dégueu, c'est dégoûtant. Oh, c'est déjà fini. La bande annonce. Ok, d'accord. Ok, c'était un épisode super intéressant. On a appris tout plein de trucs pour la suite de l'histoire. Je me demande comment ça va se passer avec Echo, comment elle va s'en sortir pour aider les autres. Avec Octavia en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc je sais pas du tout comment ça va se développer avec Octavia parce que je sais pas. C'est très compliqué. Je ne veux pas dire... Elle, c'est pas qu'elle m'énerve, mais... Elle a changé, quoi. Et je sais pas, elle est plus elle-même et... C'est comme si elle avait envie de tuer tout le monde, quoi. Enfin, c'est pas qu'elle a envie, mais elle tue tout le monde. Je sais pas, elle a pas de regrets. C'est comme si elle était plus humaine. C'est comme, par exemple,
Si, comme dans Vampire Diaries, quand ils enlèvent leur humanité, bah c'est exactement ça. C'est comme si elle avait plus d'humanité en elle, en fait. Elle a plus d'émotion ou quoi. C'est horrible. J'aime pas cette Octavia là. Oh mon Dieu. Echo et Bellamy, c'est vrai qu'ils sont un petit peu mignons parfois, mais juste parfois, parce que la scène est en train de s'embrasser et tout. Non, je veux pas ça. J'aime pas ça. Oh, non, mais je sais, c'est parce que je suis trop concentrée sur Bel Arc. Il n'y a pas eu beaucoup de Bel Arc en fait dans cet épisode-ci, mais bon. C'est pas grave, ça allait encore. Et de toute façon, l'épisode était super intéressant. Maddie, j'ai eu trop peur pour elle. Mais bon. Elle a un deal avec Octavia, on dirait maintenant. Donc, on verra comment ça va se passer. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 7. Bye!